Yop tout le monde, c'est WarGamer et on se retrouve pour un nouveau tuto sur Minecraft. Et donc, pour ce tuto là, je vais vous apprendre comment créer un ramassage automatique de blé à l'aide de pistons collants. Donc, tout d'abord, je voudrais vous préciser que dans cette vidéo là, euh, je vais faire plusieurs coupures pour que ça soit beaucoup plus rapide parce que c'est pas vraiment très intéressant de voir une personne poser des blocs. Euh, bien sûr, je précise que euh, toutes les explications excusez-moi, vont être détaillées. Donc, je vous dis à tout de suite pour le commencement. Et donc nous revoilà pour la suite de ce tuto. Donc, euh, alors, alors j'ai bien expliqué, donc on va commencer tout de suite. Donc pour l'instant, so on aura besoin juste de la terre. Donc on va faire 5 blocs. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite on va faire 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour l'instant c'est un petit truc comme ça. Ensuite on va revenir à 7 pour enfin revenir à 8. Donc quand on a fait ceci on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc je vais le faire euh, hors caméra. Donc voilà quand vous avez un petit truc comme ceci, donc euh, comme vous pouvez le voir, euh, ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va prendre des planches en bois. Et on va commencer à les, à les installer. Donc pourquoi des planches en bois Tout simplement pour que vous voyez la différence. Parce que c'est un peu normal que si je mets du gazon, euh, voilà, vous n'allez pas voir la différence. Donc ensuite là, euh, on va commencer à rajouter deux, euh, deux planches de bois. On va faire tout le long. Donc normalement, si vous comptez, si vous comptez, euh, comptez bien, euh, vous aurez un total de 11 euh, planches en bois. Donc 1, 2, 3... 4 5 6 7 8 9 10 11. Donc voilà, tout est bon. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est tout simplement on va commencer à installer les marches. Oula. Hop hop hop. Donc voilà, ça vous donne un petit truc comme ceci. gens, donc on va continuer la suite de ce tuto. Donc alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on aura besoin euh, soit du gazon, soit de la terre. C'est vraiment vous qui choisissez. Donc, euh, je vais prendre du gazon. Hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit carré de 3 x 3. Donc, depuis la marche, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, niveau hauteur, c'est simplement de 2. Donc, euh, 1, 2. Voilà. Donc, on va faire exactement pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2. Donc ça vous donne un petit truc comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout au fond. Et euh, ici, on va faire 1, 2. Et là, on va compter jusqu'à 4. Donc ça fait... Euh, non, jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on peut aller jusqu'à l'autre côté et faire exactement pareil. Donc 1, 2. Et on referme tout ça. Donc pour l'instant ça vous donne un petit truc comme ça donc je vais euh, couper cette vidéo à chaque fois je vais euh, la remettre à sa place. Relégant donc on va s'attaquer niveau redstone donc alors ce qu'on va faire simplement c'est que on va partir euh, d'un côté donc soit de gauche soit de droite donc pour ma part ça va être de gauche donc vous allez installer un levier au milieu donc euh, côté droit ça va être ici. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller euh, voilà là et on va creuser euh, deux blocs et encore deux blocs. Donc ça va donner un, un petit... 2 x 2. Donc là vous allez poser de la crestone. Et normalement quand vous appuyez sur le levier, ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser un bloc du fond droit. On va casser un bloc du... Euh, voilà là. Et encore là. Donc ça vous donne un petit truc comme ceci. Donc on peut casser tout ça. Euh, non, ça c'est moi bon, Je vais casser tout ça comme ça, vous voyez bien. Donc ça vous donne un petit truc comme ceci. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va le poser là. Et le mettre là comme ça ensuite ça on peut le reboucher voilà donc ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va faire on va creuser tout le long euh, du euh, on va de, de cases de, de profondeur et ensuite là alors là c'est vraiment faut bien suivre on va faire ça ça et là euh, si je me trompe pas bah c'est ça c'est bon c'est parfait Normalement ça donne un petit truc comme ceci, j'ai fait vraiment exprès euh, pour que ça passe. Et ensuite vous faites euh, tout la rangée. Par contre je pense que ça va pas suffire. Donc on va poser des répéteurs, on sait jamais. Hein. Voilà. Donc euh, alors là, suivez bien s'il vous plaît, c'est un petit peu euh, assez compliqué quoi. Donc ce qu'on va faire c'est que comme vous le savez le, la longueur quoi c'est de 11. Donc on va faire 1, 2, 3. Et au quatrième, on va poser un bloc. 1, 2, on pose un bloc. 1, 2, on pose un bloc. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc voilà, ça donne un petit truc comme ceci. Voilà. Euh, alors là, on va poser euh, un répéteur ici. Et on va ensuite le brancher avec de la restone. Ensuite on met la, la restone là, là et là. Et ensuite voilà, vous reliez tout ça. Donc normalement ça fait ça marche. Pour être sûr que ça marche, tout simplement... On va faire si je me trompe pas, on va tester ça. Voilà c'est bon ça marche. Donc on va faire toute une ligne de gazon. Voilà. Donc on s'arrête bien au onzième. Et ensuite on va installer les pistons qui seront ici, ici et ici. Donc je précise que moi j'ai mis trois pistons tout simplement pour que, ça, pour que ça soit plus stylé quoi. Parce que je me suis dit avec un avec un piston ça fait un petit peu moche. Euh, donc après bien sûr c'est vous qui choisissez donc voilà quoi donc hop 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 voilà donc on va faire en fait euh, une, une muraille quoi de 4 de hauteur qu'on voit comme ceci donc ce qu'on va faire c'est que derrière on va attendre euh, ce qu'on va faire c'est quoi voilà on va bien aller derrière et on va faire euh, un petit bassin pour l'eau donc ce qu'on va faire c'est hop 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 comme ceci. 2. Ensuite, exactement pareil. De là. Et idem ici. Donc euh, non, ça va être plutôt 3. Donc euh, je suis vraiment... Euh, je suis vraiment désolé si je suis un petit peu confus. C'est juste euh, j'ai pas vraiment appris par cœur comment on le créer. On va dire que j'improvise un petit peu. Donc voilà. Donc on bouge tout ça pour faire bien sûr le sol pour pas que l'eau parte. Et ensuite on va fermer. Donc normalement ça vous donne un petit truc euh, hop un petit euh, bassin comme ça donc je vais pas poser l'eau tout de suite et imaginons qu'il y a l'eau donc normalement quand on va baisser le levier ça se baisse et l'eau elle peut passer donc on va refermer tout ça donc ensuite euh, vous, re, bah, vous rebouchez tout ça donc je vais, vous, euh, je vais couper la vidéo et je vais reboucher tout ça donc à tout de suite et voilà les gens donc on peut voir que euh, c'est bon c'est tout est tout est terminé donc je vais faire un, une petite visite hein. Donc, vous pouvez voir que c'est bon, j'ai tout rebouché derrière. Hop, un petit style hein. pareil. Donc, je précise que euh, normalement, un côté sera vide. Voilà, vous pouvez voir que là, franchement, ici c'est vide. Donc, pourquoi c'est exactement pareil Tout simplement pour que ça soit stylé. Donc, c'est euh, un peu normal. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est simplement on va activer l'eau. Et comme vous pouvez le voir, ça marche. Donc, normalement, vous avez juste après, normalement, euh, voilà à récupérer tout ça. Hop hop hop. Et après voilà, c'est bon, on pouvait euh, retourner donc les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez aimé, donc si c'est le cas bien sûr, n'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter et bien sûr abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. De même, je voudrais m'excuser niveau lag, niveau expression, si vous n'avez pas tout compris. Donc je vous invite à bien sûr poster un commentaire ou m'envoyer un message privé. Si vous avez une question, n'hésitez pas bien sûr. Et euh, si vous avez des petits conseils, des petites critiques à ajouter, euh, lancez-les. Vos critiques sont les bienvenus. Ça, comme ça, ça me permet de, de m'améliorer pour mes prochaines vidéos. Donc, euh, j'espère que, que voilà, vous avez aimé. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, s'il vous plaît, lisez la petite description. Ça prend 5 secondes. Et ça peut encore vous aider. Donc, je vous dis euh, ciao tout le monde.